Bonjour tout le monde, bienvenue sur Palmi Sakma pour la caille. Jeudi à ce dimanche, nous sommes à peu près 18 jours, en fait, 18 à 19 jours depuis la guerre. Ça, en pile, mon abdi, bon, c'est pas nous-mêmes qui sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre, puisque de loin ou de près, la guerre a un impact sur nous. Et j'en prends le fini, et c'est des impacts énormes. Mais enfin, on essaie de comprendre. Et hier, gagné là aussi qui justement attaqué yon base militaire qui trouvait dans Liev. Base militaire ça trouvé le collé avec Pologne. En fait, là aussi voyez n'importe 8 missiles donc il attaquait base militaire de Ukraine. Maintenant ça vous comprendre. Dans cause ça vraisemblablement on peut comprendre que on base militaire qui est tout près à Pologne, puisque ensemble de ces couillons passés par Pologne, là aussi effectivement capable d'identifier base militaire ça comme intermédiaire qui pourrait recevoir justement et aide y a voué par Ukraine. Pas oublier que Zelensky sont celles là tout le temps a dit voué, voué aide bon, voué aide bon moi. Or, et actuellement la fond dit que et pressé pressé Biden fait sont autorisés 200 millions de dollars. Sous quoi vous voyez aller déjà? Ils ont 200 millions de dollars pour voir l'Ukraine. Donc, de toute façon, on vous dit que, effectivement, c'est une guerre qui est financée, soutenue par les pays de l'Ouest. Bon, nous sommes capables de dire quelque part, on ne peut pas dire à l'agent là. Il y a un bon pays qui a dit qu'il n'y a pas de guerre. Mais il y a une guerre. Des fois, nous commençons par l'éclair. Les États-Unis, la France et autres ont dit, comment on ne fait pas de guerre? Ils ont juste pas voué les soldats. Et là encore, il y a une réserve. Attendez bien. Ou il y a une réserve, ou commando que. Est-ce que dans ce moment-là, pas des soldats de la France, des pays d'Europe, en Ukraine? Il y a tout simplement, est-ce que pas des soutiens? C'est des questions qui légitiment. Est-ce que pas des soutiens de soldats de différents pays, quatre fois après dans l'Ukraine là? Il y a tout simplement pas gagné la belle américaine sur eux. Et c'est ça pour qu'on est. OK? Là, on a essayé d'expliquer le danger qui vient là. Et hier, nous étions hier, mais ça, Vladimir Poutine vous l'a dit. Vladimir dit attention, attention, tout cargo, tout shipment qui prend la mer, ou bien quel que soit côté où vous passez, pour vous et les armes à l'Ukraine, il moins target. Ça y est, je vais être sérieux. Comment ça veut dire là? Ça veut dire tout pays, il n'y a pas besoin qu'on ait qui coule. Depuis. Ou mette resous, ou mette batou a la disposition, ou ap transporte zam pote ba Ukren, la pete bal sou normalman, pase se nan batay liye, ou antre sou un teren, komprenn bien, ki gon match kap jwe. E sa le di la, ou antre sou un teren ki gon gen. Donk, ou ap remarke, les Etats-Unis, et les autres pays, yote ti, on ti jan rale kwayo sou, sanitare le envoi de avion de guerre. Mais ça n'a pas empêché toute qualité, ça n'a pas les missiles anti-tank, toute qualité gros armes et munitions, il y a bayo. Donc là aussi, fait qu'on est que livré avertissement clair par les États-Unis. C'est comme quoi les États-Unis soient battus avec moi, qu'on rentre dans la bataille avec ma clé. Parce que je ne vais pas cacher d'où ça vient, c'est dans la bataille moyenne. Si il y a un convoi qui fait livraison des armes, je vais tirer tiré sur normalement. Mais causé. Donc, nous allons comprendre, en vertu de ça, nous disons là, lorsque chaque jour nous disons là que, effectivement, nous t'as supposé réfléchir sous danger qui vient là. C'est sérieux. Non, tant, tu es toujours en pile, vous voyez, monter sous la Troisième Guerre mondiale. En pile, monde qu'on a fait buzz, dit nous, quand nous prenons l'entrée dans la Troisième Guerre mondiale. Mais alors là, nous t'avons tout en 2022, effectivement, n'a pas joué avec Diffé. N'a pas joué avec Diffé dans l'événement, ça a passé là. Maintenant, faut nous dire que de notre côté, gagné NATO, pas oublier qui dit NATO, dit les États-Unis. Qui ça NATO a? C'est un ensemble de pays d'Europe, parmi lesquels gagnent les États-Unis, qui mettent tête ensemble, ils ont force militaire ensemble. Ils ont les têtes, ils ont main tout, main une, main l'autre, ou capable de dire son l'autre G9, ou capable de dire le G20, whatever. Son type de Genève, les États-Unis la donnent comme gros taureau, li dit que n'importe quel pays sa yo qui ont attaqué, moi en guerre avec vous. Dans le moment où on a parlé là, nous voulons dire, en fait, nous avons cité quelques. Ces pays, vont nous dire pays ça yo. Ce que nous disons, ce que nous faisons comparaison avec Genève.
Eh bien, c'est des pays qui, dans l'histoire, c'est pour la Russie, nous sommes capables de citer Estonia, Latvia, Lituanie, toute Baltique qui est dans la région de mer. Tous ces des pays qui se contrôlent la Russie. Maintenant, ça a passé. Commandant en chef de l'armée NATO dit, sérieusement, je dis, il a pas entraîné. Il a pas entraîné, c'est parce que plus que jamais, il a envisagé que la Russie capable, justement, après que le film prend l'Ukraine, il a pensé, il a arrivé sous l'autre pays, ça. Donc, il a entraîné sérieusement. Son façon vous dit que nous vivons là une situation assez difficile. Et là aussi, il a fait des attaques aériennes dans la base militaire et qui trouvait dans le nord-ouest et la ville de Liev. Ok? Yo a étendu et justement offensive yo. C'est vrai qu'un pile mon a critiqué. Yo prend un pile paf, yo prend un pile temps. Et Poutine même, partant de le parole, l'a pas avancé. Et l'a pas avancé sérieusement. Il était supposé gagner un pourparler, ça n'a pas un ceasefire, qui pas gagné rien que sorti la donne. Là aussi, bien sûr, il dit toujours open, il toujours quitté porte ouverte pour la négociation, mais il n'a pas besoin qu'on ait l'a pas avancé sérieusement. Mais nous pas bien menti. Là aussi, prend, faut dire ça clair. Yo prend un pile coup. Bataille ça a coûté au cher. Grand pile qui mourit. Et il faut nous dire, il bagarre l'argent lié à Ukraine, justement, bien souvent, il y a une fois à payer. Mais ça n'a pas empêché que, yo, et comme d'adou, moins blessé, moins blessé, ou frapper, même pas avancer. Mais si vous frappez, là aussi, prend frappe sérieusement. Sérieusement. Dernièrement, là, il y a une vidéo, côté qui a montré, une ligne de convoi qui gagne plusieurs chars blindés. De là aussi, les gens encerclent les Ukrainiens, ils bombardent, ils sont obligés de faire retrait. Donc ça veut dire, par exemple, quel monde qui a fait du lait, en fait, pas personne qui peut présenter là aussi comme quoi son bagage, comme ça dit ça, il n'est pas qu'à victime, il est victime en pile. Il est victime en pile. Mais la réalité, c'est que l'Ukraine pas de taille jusqu'à présent là, c'est dans main on bonne l'autre pays à potel et que. À moins que tu aies gagné un revirement. Parce que nous pensons que tôt ou tard, les balles vont être sérieux, pour l'obliger à gagner. Comprenez bien. À un certain moment, la durée, suivant le monde qui sentit qu'il faut appeler plus là, parce que jusqu'à présent, Zelensky pensait le cas bataille toujours. Donc, il y a des compromis beaucoup à faire. Donc, nous pensons qu'à un certain moment, la durée, capable de gagner des compromis, puisque il y a des gens qui ont dit Zelensky gagne des compromis qu'il est capable de faire. Justement pour capable arriver à une sortie de crise mais moment et beaucoup moment puisqu'il sentit que le cas bataille toujours ok so ça pour comprendre là c'est que base militaire collée collée avec Pologne d'abord rappelons Pologne c'est là en pile aide passée pour délivrer l'Ukraine donc là aussi choisi justement attaquer ça nous relève International Peacekeeping and Security Center d'abord rappelons que non base militaire ça gagner des Américains là-dedans. Et ça, vous comprenez. OK? Donc, les étrangers, là aussi menacés, ils disent lui-même, tout convoi qui gagne des armes et autres, ils disent la privée sous yo. Ils clés sous ça. Je dis, là aussi, trouvez-les après de 25 km. De la capitale. Et Zelensky dit lui-même, faut que tu as réduit li en cendres pour en vent pour le bail Kiev. C'est paroles qui sortent dans la bouche de Zelensky. Il manquait des trois petits mots pour le dire, même j'ai avec capo à la mort, et même sur ces cendres, nous combattrons encore. Okay? Nous rappelons que c'est des paroles célèbres, justement, et c'est des paroles célèbres, des salines, mais pas des capo à la mort, des salines. Ok? Et. Il dit, si pour me livrer fort, il faut que nous t'a réduit l'ensemble. Et sous Sandio, on continue de battre encore. En fait, ces paroles de Zelensky qui lui-même est décidé bataille juste qu'à la fin. Et donc, nous voulons dire que Guinville Satou, hier samedi à Mélitopol, et que la Russie prend contrôle et yo mette magistrat
et yo mette magistrat pa yo nan mouman la, men Zelenski li men, yè samedi ankor, li di, mes amis, mwen bezwen plus aide. Ok? Li di, mwen bezwen aide, an doutre term, et nan jou videyo ke l fè, li di moun yo, le peyi de l'Ouest kampe avèl, donk la batay sou kont, la batay sou kont yo. Di sa fè, la batay nan l'espoir aide yo, donk se sa ki realite, et guerre ça que nous-mêmes de temps en temps n'apporter update pour vous et que sincèrement et non pas cadeau pour combien de temps ici la bagarre non pas cadeau pour combien de temps là et très certainement d'une manière ou d'une autre par la fatigue d'un côté comme de l'autre oui parce que lors dit guerre guerre c'est des ressources ok donc gon les cap privé bah qu'on est qui est cap fatigué avant qui est cap quitter pour l'autre. Alors là, c'est réalité à et dans le moment que nous comprenons, que n'a pas là. En tout cas, nous autres, nous promettons pour nous porter pour différents déroulements de cette guerre continuelle. Mais nous voulons dire que gagner parlementaire ou tout qui est pour l'an, des délégations de sénateurs et démocrates et républicains, nous nous brisons c'est point, c'est allié que vous gagnez qui pi près, vous comprenez, qui pi près et Ukraine. Donc, ils sont allés en Pologne, son façon pour comprendre ce qu'a fait. Et qui ça a fait? Parce que il y a des gens qui ont fait mouvement pour sauver eux, c'est pas Pologne qui a fait passer. Et donc, voilà, et Jean Kozéaïe, et nous autres, nous promettons pour nous porter update pour vous. C'était vraiment un plaisir. Bye bye à tout le monde.